Premier problème, un cycliste monte une montée à 30 km/h, puis il descend une descente d'une même longueur. La question est, quelle doit être la vitesse à la descente pour que sa vitesse moyenne sur le trajet total soit de 60 km/h? Deuxième problème. En 2012, il y a 7 milliards d'individus sur la Terre. Un milliard de ces individus ont une voiture qui consomme 5 litres de carburant aux 100 km. Déjà, de gros problèmes de réchauffement climatique se posent. La question est, quelle devra être la consommation d'une voiture pour que, lorsque chacun des 7 milliards d'individus aura une voiture, il n'y ait pas de problème de réchauffement climatique ?